En 10 contre 11, on a quand même réussi à trouver des opportunités, pas nettes, mais des opportunités offensives. Mais maintenant, il nous a manqué un peu de tout dans toutes les lignes aujourd'hui, pour être sincère. Il nous a manqué de l'agressivité, il nous a manqué de l'allant, il nous a manqué de la disponibilité. On n'a pas, au premier mi-temps, on n'a pas assez joué au ballon. On était vraiment trop timorés, et les filles, je sais pas. Pourtant, elles sont habituées, hein. La dernière, elles sont tenantes du titre. On avait gagné le championnat 2 ans, ils sont habitués, mais je ne sais pas, la première mi-temps, le premier but c'est un cadeau, hein. On voit bien, c'est une relance derrière, on rate, ma défenseur veut faire un contre un, perd la balle derrière, et puis après il y a le but. Donc c'est vrai qu'il nous a manqué un peu de tout aujourd'hui pour espérer gagner la coupe. Je pense que sur l'ensemble, c'est mérité pour moi. Franchement, on a essayé de tenir jusqu'au bout. On a vu que l'équipe essayait de donner tout ce qu'il avait. Malheureusement, on voyait quand même que du côté de Gand, il y avait plus d'envie, plus de hargne dans les duels. Que nous, on n'avait quand même pas assez cette hargne-là pour les battre aujourd'hui. Je ne discute pas le carton rouge parce qu'il y a vraiment les deux pieds en avant. Mais il y a une faute évidente 2 secondes avant, hein, une demi-seconde avant. Si l'arbitre siffle le coup franc en logique, on ne parle pas de cette action-là. Et à 11 contre 11, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous, entre guillemets. Maintenant, voilà, je pense que l'arbitre, sur l'ensemble de l'action, elle fait une erreur par rapport à ça. Mais bon, voilà, maintenant, je pense que dans l'ensemble du match, grand mérite. L'objectif, ça reste d'être champion. Je pense que si on fait un bon résultat à Anderlecht, on peut toujours croire en ce rêve-là, on va dire. Je pense qu'on fait quand même une bonne saison, meilleure qu'année dernière, même si l'année dernière, on a gagné la Coupe. Mais tous les chiffres montrent que, surtout notamment en championnat, qu'on est meilleur. Après, si on va gagner, on a un point d'avance sur Gand. Si on va gagner Anderlecht ce week-end, tout est possible. Maintenant, je pense qu'on relance le championnat.